Et un écrivain, Jean Giraud, alias Moebius, a disparu, s'est éteint la semaine dernière, à l'âge de 73 ans, fameux hein, au Japon, d'où il avait rapporté beaucoup, beaucoup de choses. Jean Giraud, qui était, il y a à peine un an, l'invité de cette émission, très bref hommage. Écoutez-le bien, Moebius, il répondait à la question, mais comment faites-vous pour dessiner ? C'est comme raconter une histoire, et à un moment donné, on part au hasard, puis à un moment donné, il faut trouver la fin, et les possibilités s'amenuisent, on arrive au fond d'un entonnoir. Et c'est un peu la même chose avec un dessin. On peut lancer des traits ou des formes sur une feuille, les relier, puis à un moment donné, ça se coagule, ça se concrétise, ça devient quelque chose. Et là, la liberté s'amenuise. Et à la fin, on est comment je pourrais dire, sous la tyrannie du sens. Mais par exemple, moi, je fais des... pour faire les animaux de Mars, et c'était ça, Mars, pour moi, c'était la possibilité de... disons, de faire quelque chose à partir de rien, vous voyez. Par exemple, lancer des formes sur une page, et puis après, en faire un animal avec. Mais comment faites-vous un animal avec ceci ? Ah bah écoutez, vous allez vous intéresser aux invités, puis moi, pendant ce temps-là, je vais travailler à partir de ça. Ah d'accord. Et puis on verra ce que ça donne. Vous étiez parti de deux, trois points jetés sur une feuille. Oula. C'est devenu ça. Vous voyez, alors, tenez... C'est devenu ça. Attendez, c'est absolument magique. C'est-à-dire qu'en l'espace de 25 minutes, à peu près, tu veux de deux points, devenu ce dessin. C'est marrant. Hein. Voilà, Jean Giraud, alias Moebius.